Bonjour, mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver chez vous. Aujourd'hui, un plaisir de vous présenter ce plateau d'émission spécialement réservé au basketball. La DTV en partenariat avec Hoop School Basketball vous propose aujourd'hui un plateau riche en basketball. Nous aurons à parler trois thèmes tout au long de l'émission pour parler bien sûr du basketball, mais aussi nous allons vous proposer un tirage au sort qui sera composé des écoles supérieures, des instituts et écoles supérieures de basketball. Alors, un plaisir de partager ce plateau avec Mouché Debossaro. Bonjour. Bonjour Pambaï. Très ravi de participer à cette émission pour présenter un concept qui est le Hoop School Basketball, qui doit organiser un tournoi. Donc j'en profite pour saluer les téléspectateurs et mes collaborateurs. Merci beaucoup. Et voilà, tout au long de l'émission, nous aurons l'occasion de parler bien sûr des thèmes bien définis, mais aussi nous aurons nos invités à travers le net où nous avons Kébir Penn, l'ancien international sénégalais. Nous aurons aussi Mathieu Faye qui est dirigeant au niveau du basketball sénégalais, mais aussi au niveau international. Sans plus tarder, pouvez-vous un peu revenir sur l'importance du tournoi que vous organisez chaque année? Oui, le tournoi, nous organisons un tournoi de Hoop School, c'est-à-dire un tournoi de basket universitaire, pour non seulement fédérer et trouver un cadre d'échange pour les établissements scolaires supérieurs. Donc c'est pourquoi nous organisons les webinaires. Ensuite, il y a des concepts pédagogiques qu'on organise aussi. Et on envisage aussi de faire un forum sur le basketball de manière générale pendant les grandes vacances. C'est pourquoi nous organisons et nous trouvons aussi des partenaires comme les acteurs du basketball, du basketball. Il y a des professeurs aussi, des experts sur le droit du sport qui nous accompagnent dans le concept. Très bien. Et aujourd'hui, vous avez 8 équipes. Quelles sont les 8 équipes qui vont participer à ce tournoi? Bon, les 8 équipes qui vont participer, il y en avait même 10, mais il y a 2 qui ne sont pas encore prêtes, qui est ISM et IAM. Mais peut-être avant le démarrage des tournois, elles vont être prêtes. Mais pour le moment, il y a 8 équipes qui sont ISEC, Esport Club, UKAO de Saint-Michel, ESP, INSEPS, SUBDECO, IPG, IPD et CESAC. Il y a ces 8 équipes qui vont participer. Donc on va faire un tirage de 2 poules, de 4. Tout de suite, sans plus tarder, nous allons aborder ce tirage, bien sûr, comme l'a expliqué Mouché Debossaro, qui est le manager général de School Basketball, qui promouvoit le sport, mais aussi les études. Alors, nous aurons à aborder notre thème du jour, le basketball universitaire, le modèle américain comparé à celui de la France. Alors, il y aura comme exposant Ibrahim Diagne, qui est l'ailier fort de Avila Autantia en Liga. En deuxième thème, nous aurons le développement du basketball, l'implication pour le développement du sport et du pays par Kébir Penn. Il est président du fondateur de l'association Yachi Braise. Par ailleurs, il était ancien international de basketball au Sénégal. Actuellement, nous avons aussi notre troisième thème qui parle de l'organisation des ligues de basketball qui sera abordé par M. Mathieu Faye, qui est le directeur de l'académie EBOA, École Bilingue Ouest-Africaine. Alors, M. Saro, sans plus tarder, nous aurons le responsable des différentes équipes qui vont composer ce tournoi. Il s'agit de l'ISEC, l'INSEPS, l'UCAD, vous l'avez expliqué tout à l'heure. Alors, sans plus tarder, nous allons procéder au tirage des poules. Ouais. Alors, là, nous avons les équipes. Voilà. Au niveau de la régie, si vous pouvez présenter l'étiquette ou bien même les logos, les différentes fognons des équipes qui vont participer à ce tournoi de 2021. Voilà.
Tout de suite, nous allons passer ce tirage, Moussa Sarro. Voilà, oui, les... Pour le tirage, nous allons de toute façon choisir au... par hasard. Choisir par hasard, comme ça, on battre et très on choisit bien. Par hasard. Voilà. Pour la poule A. Poule A, nous avons comme première sortie ESP de Dakar. ESP de Dakar. ESP de Dakar, poule A. Voilà. Et pour la poule B. Poule B, nous avons comme équipe ISEC Club. Voilà. Vous avez ISEC en poule B. Pour la poule A encore, on va choisir. Nous avons INSEPS de Dakar. INSEPS de Dakar qui rejoint. INSEPS de Dakar qui rejoint ESP de Dakar. En poule B, deuxième équipe. Et là, nous avons CESAC de Dakar en poule B qui rejoint ISEC Club. En poule A toujours. Et là, nous avons IPG qui rejoint ESP et quoi encore, INSEPS. Voilà, en poule B maintenant. Troisième équipe en poule B. Situation Covid oblige, sinon vous aurez le représentant des différentes clubs. SUPDECO qui rejoint CESAC. Et ISEC. Dernière équipe. Poule A. Poule A. Nous avons UKO. UKO qui rejoint ESP, INSEPS et IPG. Dernière équipe, poule B. Maintenant, dernière équipe, poule B. Il s'agit de IPD Thomas Sankara. Voilà. Ça n'est tout pour les deux clubs, les deux poules du Moès. En poule A, nous avons ESP, INSEPS, IPG et IKO en poule A. Voilà. Maintenant, en poule B, nous avons IPD, SUPDECO, CESAC et ISEC Club. Alors... voici la composition des deux clubs. Maintenant, Moussa Sarro, comment comptez-vous aborder le tournoi? Quelles sont les dates qui ont été retenues, mais aussi l'organisation de ce tournoi? Bon, pour l'organisation de ce tournoi, d'abord pour la date, on a retenu après le mois de Ramadan, le week-end qui suit. Ensuite, les tournois se joueront, les matchs de poule. Dans les établissements, c'est-à-dire les équipes qui vont recevoir, qui vont choisir dans quel terrain ils vont recevoir leur adversaire. Ils vont jouer à l'intérieur de leurs institutions. De leurs institutions, pour les établissements qui ont déjà leur infrastructure à l'intérieur. Très bien. Maintenant, les établissements qui n'ont pas d'infrastructure, de terrain, de parquet, ils peuvent choisir un autre terrain où recevoir leur adversaire. Maintenant, quelle est la particularité de cette tournoi? L'année dernière, il y avait... En 2019, il y avait 8 équipes aussi. On avait joué les matchs de poules, 2 poules de 4. Et il y a 2 de chaque poule qui vont sortir pour jouer les demi-finales, ensuite la finale. Très bien. Et donc, ça se passera comme ça aussi. Très bien. Et à l'issue de ces tournois, comment comptez-vous faire par rapport aux vainqueurs? Non, aux vainqueurs, on offre par exemple déjà les finalistes. Non seulement il y a un trophée, il y a des médailles, et ensuite il y a des récompenses, par exemple, comme des matériels informatiques, les ordinateurs par exemple. Et par exemple des équipements de basketball pour les, les,
les étudiants qui vont participer à cette finale. Très bien, ça sera en tout cas un tournant bien joué entre les équipes, les instituts et les étudiants du moins de l'INSEPS, de l'ICAO, de l'IPG, mais aussi de l'ISEXport. ISEC qui est en train de faire des résultats même au niveau du basketball sénégalais. Et à partir de là, l'objectif déjà, vous visez les instituts de Dakar. Après, vous aurez le temps d'aller dans les régions, pourquoi pas. Oui, oui, c'est-à-dire nous avons lancé le concept. Maintenant, les établissements qui sont intéressés et qui ont des équipes de basketball, ils peuvent se joindre à nous, de se rapprocher à nous, pour s'ils veulent participer, par exemple, pour l'année prochaine. Comme ça, on va prendre en compte leurs équipes. Parce que même l'année prochaine, on compte organiser pour les collèges. Parce qu'il y a beaucoup de collèges qui ont déjà des équipes, mais ils ne peuvent pas compétir dans la même catégorie que les universités. Très bien. Donc ça, c'est très intéressant et c'est à suivre à partir de la DTV, puisque la DTV est en partenariat avec le School Basketball. Nous allons vous proposer à l'issue de ces tournois la finale qui sera organisée et âprement disputée par les étudiants. Alors, sans plus tarder, nous allons aborder notre premier thème, Monsieur Saro. Il s'agit du le modèle américain comparé à celui de la France. Oui, le thème va être développé par Ibrahima Diagne, qui est un jeune basketteur qui joue en Espagne. Voilà, si Ibrahima Diagne est en ligne, nous allons joindre Ibrahima Diagne pour son exposé. Pour rappel que Ibrahima Diagne, c'est un Sénégalais qui a 25 ans, basketteur professionnel franco-sénégalaise. Il mesure 2,08 m et il a commencé à pratiquer le basketball à l'âge de 7 ans en France. Et en 2012, voilà, il est là, c'est un jeune pétri de talent. Il a remporté des trophées au niveau de l'Espagne, mais aussi au niveau de l'Europe. Ibrahima, s'il est en ligne. Ibrahima, bonjour. Vous m'entendez bien? Oui, Ibrahima, bonjour. Vous m'entendez bien? Oui, on vous reçoit. D'accord, ok. Bah, bonjour à tous. Bonjour Monsieur Kibir. Bonjour Monsieur Fey. C'est un plaisir d'être sur le plateau avec vous. Donc, je vais me présenter un peu pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ibrahima Diagne. Donc, comme vous l'avez dit, j'ai 25 ans. Je suis actuellement basketteur professionnel en Espagne. Je mesure 2,08 m. Je joue au poste d'ailier fort. Et je suis le neveu de, bon, je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent, de Alain Diagne, qui était membre de la sélection nationale dans les fins années 70. Début. Alors, Ibrahima, pouvez-vous un peu orienter votre téléphone ou bien votre ordinateur? Voilà. Fixez un peu. Je vais mettre mes écouteurs, je pense. Voilà. Centrez un peu. En attendant, Ibrahima, nous avons en ligne Monsieur Mathieu Fay aussi, s'il est déjà là. Mathieu, bonjour. Alors, nous avons aussi Monsieur Kabir Penn, qui est ancien international de basketball, mais aussi président de l'association Yachi Braze. Bonjour, Monsieur Kabir. Bonjour, Papa Mbaye. Content d'être avec toi dans ce plateau. Voilà, Monsieur Kébir, pouvez-vous un peu revenir donc les Sénégalais vous connaissent. D'abord, vous avez défendu les couleurs nationales à travers l'équipe nationale. C'est qui Kébir Penn? Kébir Penn, c'est un international international sénégalais de basket qui a fait 4 championnats d'Afrique et 1 championnat du monde. Et président de l'association Yachi Braze et aussi membre aussi de l'Académie du basket breton. Et actuellement, je m'occupe du développement de l'engagement au sein du club de basket de Rennes. Alors, très intéressant. Nous allons développer le thème développement du basketball, l'implication des sportifs pour le développement du sport de notre pays, bien sûr. Voilà, exactement. On va développer ça
après mon cher Ibrahim Diagne, que je remercie et je salue au passage, et Mathieu Fahy, qui est notre Hall of Famer, là, actuellement, il fait la fierté du Sénégal et de l'Afrique. Et ouais. Remercier aussi M. Dembo et Fabien aussi. Quoi. Voilà. Très bien, ça sera tout à l'heure en deuxième thème. Et tout de suite, vous avez aussi M. Mathieu Fahy. Mathieu Fahy, nous allons aborder l'organisation des ligues de basketball. Bonjour Mathieu. Le son, s'il vous plaît. Alors, pour rappel, M. Mathieu Fahy, il est ancien meneur de l'équipe nationale masculine. Mathieu Fahy a intégré... voilà, il est là. Peut-être qu'il a quelques problèmes techniques liés au son. Voilà, nous allons revenir... le temps qu'il va régler un petit peu ses problèmes techniques. Sans plus tarder, nous allons aborder notre premier thème avec Ibrahima Diagne. Ibrahima Diagne, vous êtes là? Oui, je suis là. Vous m'entendez mieux là maintenant? Voilà. Merci Ibrahima. Le modèle américain comparé à celui de la France. Donc voilà. Donc je vais me présenter un peu pour ceux qui ne me connaissent pas trop. Donc, comme je l'avais dit, je m'appelle Ibrahima, j'ai 25 ans. Je suis actuellement basketteur professionnel en Espagne. Donc, comme je le disais auparavant, j'ai mon oncle, je ne sais pas si les personnes le connaissent, Alain Diagne, qui était membre de la sélection nationale vers la fin des années 70, début 80. Et je suis le neveu aussi de Aïda Diagne, qui a été élu basketteur du siècle au Sénégal. Donc, bon, pour raconter un peu mon parcours, je suis né en France, j'ai grandi. On dit en France, j'ai commencé le basket vers l'âge de 8 ans sur Orléans. Donc j'ai eu un parcours assez classique. Hein. J'ai fait toutes les sélections, j'ai intégré le pôle espoir et par la suite j'ai intégré le centre de formation de Cholet Basket, qui est un des meilleurs centres de formation en France. Et donc par la suite j'ai obtenu mon bac en marketing. Et mes parents m'avaient offert un voyage aux États-Unis, mon premier voyage. Je voulais toujours aller aux États-Unis, donc ils m'avaient offert. Et c'est par l'intermédiaire du coach Abdoulaye Dir, qui est coach à Cône-sur-Loire, dont son fils est joueur de Pro B à Antibes, Sidi. Donc c'est par son intermédiaire que je suis parti aux États-Unis et j'ai intégré les équipes AI, qui sont des tournois faits pour les ressortissants de high school, de lycée, pour se faire voir auprès des recruteurs américains, des universités. Donc je suis parti là-bas, c'était à Los Angeles et à Las Vegas. J'ai fait un mois là-bas, je me suis fait repérer. Par la suite, je suis revenu en France, j'ai joué en espoir pendant un an et à la suite de ça, bon, j'ai eu le déclic. J'ai su que pour moi, personnellement, mon cas, c'était pour mon développement personnel, c'était mieux que je reparte aux États-Unis, que je continue mes études là-bas. Alors, M. Diagne, vous avez déjà fait ce parcours à travers des deux types de modèles différents. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir du modèle américain comparé à celui de la France? Bon, moi déjà, je suis pas là pour dénigrer un modèle plus qu'un autre parce que je suis issu des deux écoles. Voilà, j'ai suivi les deux formations. Donc, j'ai fait 4 ans aux États-Unis. Faut savoir que dans ces 4 ans, j'ai fait 4 écoles différentes. Donc, j'ai eu beaucoup de coachs, beaucoup de coéquipiers différents, C'est vraiment différent. Et, bon, ça m'a beaucoup aguerri, ça m'a donné beaucoup d'expérience aussi. Par la suite aussi, j'ai eu mes diplômes. Ouais, c'est un retour très, très, très positif. Et donc, bon, pour répondre au modèle, pour répondre à la question, si le modèle américain comparé à celui de la France, lequel est le meilleur? Déjà, il y a deux axes principaux, c'est l'éducation et le style de jeu. Déjà, l'éducation, bon, à la fac aux États-Unis, qui dit fac, qui dit études, donc l'un ne va pas sans l'autre, forcément. Et bon, la NCAA, qui est l'organisation qui représente les universités, ont établi une règle qui est que chaque joueur qui est membre d'une équipe doit atteindre une certaine moyenne, GPA qu'on appelle, GPA, qui est de 2,3 si je ne me trompe pas.
Donc le GPA, c'est une moyenne entre 0 et 4 au niveau des études. Donc chaque joueur doit avoir au moins une moyenne de 2,3 pour pouvoir être éligible de jouer. Donc moi personnellement, bon, j'avais des 3,3, 3,4 chaque année, donc j'avais pas trop de soucis à me faire sur ce point-là. Même si bon, au tout début, bah, je parlais pas trop anglais, donc j'ai dû tout réapprendre. J'ai dû repartir aux bases et c'était vraiment compliqué. Mais bon, à force de travail, bon, j'ai réussi. Et bon, pour parler un peu par rapport à la France, moi après mon bac, j'ai fait la fac à Orléans. J'ai fait un an de fac de langue étrangère appliquée. C'était une licence. Et sans vous mentir, hein, c'était un échec total pour moi personnellement parce que c'était une année où j'étais sollicité avec le groupe professionnel. Donc j'étais au quotidien avec les pros, aux entraînements. Et c'était très 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 compliqué d'allier les deux, le sport et les études en même temps. Voilà, j'étais avec les pros, j'étais tous les jours, on m'appelait tous les jours pour venir m'entraîner. Et donc c'était pour moi impossible d'aller en cours ou de suivre le cours normalement correctement. Et donc ça a été une des décisions pour laquelle aussi je suis parti aux États-Unis, c'était pour que je puisse avoir mon diplôme, avoir un bon diplôme et pouvoir aussi à la fois jouer à un basket de haut niveau. Et le deuxième point, ce serait la manière de jouer, la formation, on va dire la formation. En France, il faut savoir que, bon, c'est un point de vue personnel aussi, hein, mais je pense qu'en France, les joueurs sont formés dès le plus jeune âge à un certain poste précis. C'est-à-dire que peu importe ta taille, ou voilà, on te juge par rapport à ta taille ou ton gabarit et on te forme à ce poste-là. Et ce poste-là, bon, on va te suivre tout au long de ta carrière. Tandis qu'aux États-Unis, ils sont plus all-around players et te forment plus à jouer au basket. Très clairement, ils t'enseignent tout, de tirer, prendre des écrans, monter la balle, prendre des rebonds. Donc, et ils sont beaucoup aussi focus sur le travail individuel. Sur le travail individuel, et puis bah, on le voit de plus en plus en France. De nos jours, le travail individuel est une partie indéniable de la formation française. Donc, on voit très clairement qu'il s'inspire de la formation du modèle américain. Et voilà. Donc, moi, personnellement, en France, j'étais formé au poste 3, au poste d'ailier. Et ouais, j'étais vraiment cantonné à faire les mêmes choses, en fait. J'étais comme un robot. Donc, j'avais pas cette certaine liberté que le jeu américain pouvait me procurer. Et donc, je manquais cruellement de dureté, de toughness, comme ils disent. Et donc, voilà, j'étais assez soft. Et le fait d'être parti aux États-Unis m'a vraiment appris à endurcir mon jeu et à développer mon jeu. Donc maintenant, je suis poste ailier fort, poste 4, avec des skills de poste 3 d'ailier. Donc voilà. Et je pense que ça reste aussi du cas par cas. Hein. Bon, pour les jeunes qui veulent partir aux États-Unis, il ne faut pas partir aux États-Unis juste pour partir aux États-Unis. Il faut vraiment partir aux États-Unis pour avoir un but précis et que, bon, que ce soit pour les études ou soit pour le jeu. Moi, personnellement, en France, je savais que je ne pourrais pas devenir professionnel si je restais en France. Voilà, j'allais être bloqué, j'allais manquer ce truc qui me manquait. C'est vraiment ce toughness que je suis allé chercher aux États-Unis. Et aussi, je voulais mettre l'accent sur les études aussi. Je voulais à tout prix avoir un diplôme. C'était important pour mes parents aussi que j'ai un diplôme, une route de secours, parce que bon, on le sait, le basket n'est pas éternel. Donc voilà, préparer son futur et voilà. Voilà, Ibrahima, selon vous, comparaison n'est pas raison, mais quel modèle pensez-vous est le mieux adapté pour être un basketteur de haut niveau, techniquement, mais aussi sur le plan organisationnel? Les deux modèles sont bons. Comme on le voit, bon, chaque année en France, il y a quelques joueurs qui sortent de la draft et qui sont draftés hein, de France. Donc la formation française est une très très bonne formation. Après, comme je l'ai dit, ça reste du cas par cas. Ça reste du cas par cas. Ça dépend si bon, le joueur cherche à se développer plus en tant que joueur ou bien s'il veut rester cantonné à un certain système. Et voilà. Bon, le jeu, comme on connaît, le jeu en Europe est plus tourné vers le collectif. Donc on est comme des pions. Et voilà, le jeu aux États-Unis est beaucoup plus libre. Donc tout dépend du joueur. S'il a besoin de s'exprimer et d'être assez libre dans son jeu, je pense que la formation à l'américaine est le plus adapté.
Mais aujourd'hui, le basketball américain est le vitrine mondiale. Tout le monde veut faire comme les Américains, en quelque sorte. Donc, est-ce qu'on peut prendre le modèle américain comme le modèle qu'il faut pour un basket de haut niveau? Oui, je pense, même si on regarde au niveau mondial, les Américains dominent très clairement. Physiquement, c'est vraiment autre chose, c'est une autre dimension. Après, je pense que pour le Sénégal, ce serait un peu plus compliqué, ça demande énormément de moyens, parce que la NC, bon, c'est une organisation assez... C'est un business, on ne va pas se mentir, c'est un business qui est de millions et de millions de dollars. Donc je pense que bon, pour le Sénégal, ce serait plus adapté la formation à la française que d'imiter le modèle américain. Voilà. Monsieur Sarro, vous avez une question? Oui, juste une question pour M. Mathieu Faye. Eux qui dirigent déjà des établissements qui font sport études, qui font du basketball et des études en même temps. Qu'est-ce que vous pensez à ce que Ibrahim Diagne vient de dire là? La question est pour Mathieu Faye. Hein. Voilà. Il est en place? Il n'est pas encore disponible. Peut-être que Kébir Penn. Kébir, oui, Kébir. Il évolue en Europe. Kébir. Ils ne sont plus là. Je pense qu'il y a un petit peu de problèmes techniques à régler par rapport à ça. Ouais, voilà. Oui. Voilà. Ouais. On vous entend, M. Mathieu Faye. Mathieu, voilà, Mathieu, c'est bon. Et Kébir, il est là? Kébir Penn? Oui, je suis là. Oui. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il a abordé aujourd'hui, Ibrahim Diagne, alors que vous évoluez en France, précisément en Rennes? Qu'est-ce que vous pensez des deux modèles? Non, mais vachement intéressant par rapport à ce qu'il a dit, parce que j'ai eu la chance aussi d'avoir évolué pendant longtemps au Sénégal, évolué en France, et je connais aussi pour y avoir été pendant des stages à l'équipe nationale, le modèle américain. Mais je pense qu'il n'y a pas de modèle à répliquer dans sa globalité, parce que toute avancée se nourrit de ce que les autres, ils ont fait, ils ont réussi. Mais je pense que le meilleur modèle est le modèle endogène, qui part d'une réflexion endogène de ce qui se passe dans le pays et prendre le meilleur de ce qui se fait ailleurs. Mais je pense que dans la réflexion par rapport à ce que vient de dire Ibrahim, il y a une réflexion à mener, et bien c'est un gros boulot par rapport à quel type de modèle pour le basket sénégalais. Parce qu'après, on va y revenir quand je vais développer mon thème. Il y a énormément, parce que là, on parle du basket universitaire. Est-ce que le basket, ce qu'on appelle le basket universitaire au Sénégal, est réellement un basket universitaire? C'est des questions qu'il faut se poser. Mais bon, je ne vais pas monopoliser la parole, je vais donner la parole à Mathieu, mais c'est des questions qu'on va y revenir. Mais pour moi, le meilleur modèle par rapport à tout ce qui se à un basket sénégalais, c'est un modèle réfléchi par rapport à l'environnement, à notre socioculture, à notre histoire du basket sénégalais. Très bien, merci beaucoup, Kébir Penn. Alors, M. Mathieu Faye, si vous êtes là. Monsieur Mathieu Faye, si vous êtes là, vous pouvez répondre aux questions. Activez votre micro, s'il vous plaît, Monsieur Mathieu Faye, pour répondre à cette question. Alors, nous pensons, Monsieur Sarro, je pense que vous avez vu et vous avez entendu le développement de Ibrahim Diagne en tant que manager de UP School Basketball. Quelle est votre impression par rapport à ça? Oui, notre impression, c'est effectivement, comme vient de dire Kébir, nous voulons, par exemple, avoir nous aussi notre modèle au niveau du Sénégal, c'est-à-dire faire de sorte que les autorités
les autorités publiques et éducatives puissent intégrer, par exemple, les certaines disciplines dans le programme éducatif. Par exemple, on voit depuis quelque temps, il y a beaucoup d'académies et des centres de formation qui naissent au niveau du Sénégal. Bon, on peut, dans le milieu du foot, on voit les générations foot, les Djambar, Institut Djambar. Et dans le milieu du basket, on voit déjà Sid Academy, on voit Eboa qui fait ça. On voit, par exemple, il y a d'autres instituts, par exemple, comme les Maristes qui ont intégré ça dans le programme. Il y a Saint-Michel. Donc, nous, avec ce modèle, nous voulons que les autres États... les autres établissements, même à partir du collège, que tout élève puisse choisir la discipline, qui lui semble, par exemple, favorable pour développer son physique et développer, par exemple, un talent dans le milieu du sport. Maintenant, pour le basket, c'est plus facile parce que pour le basket, c'est une équipe de 5 et globalement à 12 personnes. C'est plus facile à gérer. C'est pourquoi nous voulons lancer cet appel pour que tout établissement, surtout les établissements privés qui sont beaucoup plus organisés, d'insérer ces programmes dans leur programme éducatif. Voilà, ça sera quelque chose de bien pour le développement du sport et études très important. Ibrahima Diagne, si vous êtes là, en conclusion, que direz-vous par rapport à ce sujet? En conclusion, bon, je pense qu'au Sénégal, il y a tellement de jeunes, tellement de potentiel que je pense que c'est possible de reproduire le même modèle américain. Après, je pense qu'il faut vraiment focus sur l'accès des études. Les études, c'est vraiment primordial. Moi, en tant que professionnel aujourd'hui, c'est là que je me rends compte que vraiment les études, ça m'a permis d'être à la place où je suis aujourd'hui. Et très clairement, sans les études, j'aurais pas eu le mindset que j'ai aujourd'hui. C'est-à-dire que bon, en tant que professionnel, même je pense que M. Pen et M. Mathieu Fay pourront en témoigner. Il faut avoir une certaine capacité à assimiler une tonne d'informations au quotidien. Et si tu ne fais pas un minimum d'études, je pense que jouer à un certain niveau n'est pas possible. Et là, vraiment focus sur la formation à l'école. Et là, vous êtes prêt à s'engager auprès de vos petits frères pour leur montrer le chemin à prendre, tout en prenant les études, mais aussi votre carrière sportive en même temps. Exactement, exactement. Et je pense que c'est à nous aussi de Sénégalais de l'extérieur de revenir au Sénégal et de faire passer un message aux jeunes, de leur dire que les études c'est très important, que le basket, bon, c'est pas toute une vie, hein. Après 35 ans, 40 ans, on va tous rapprocher le basket et il faut se préparer à l'avenir. Et que voilà. Voilà, merci beaucoup, vous restez toujours dans l'émission, mais ça nous permet aussi d'aborder notre deuxième thème. Il s'agit du développement du basketball, l'implication des sportifs pour le développement du sport du pays, notamment le Sénégal. Et nous aurons le plaisir et l'honneur d'accueillir M. Kébir Pen, qui est le président et fondateur de l'association Yachi Braze. M. Kébir. Bon, ben, merci à toutes et à tous, et puis d'être parmi vous. Et puis, Papa Mbaye, j'ai une histoire ensemble. Il fait partie des premiers qui m'ont accompagné avec Amadou Sy quand j'ai mis en place l'association Yachi Braze. Et Dembo et Fabien pour le boulot. Ben, j'ai vu des passionnés aussi par rapport à ce qu'ils font. Et je profite de l'occasion pour féliciter en direct Mathieu Faye aussi par rapport à sa nomination. C'est important, je radote, mais c'est important de dire les biens que nos frères sont en train de réaliser, Mathieu Faye, Amadou Galofal, et puis Matanga, c'est des référents, et puis c'est des gens aussi qui comptent beaucoup pour le basket sénégalais.
En tout cas, pour aller plus vite dans le sujet, bon, c'est l'implication des sportifs dans le développement du basket. J'ai 10 minutes pour un sujet aussi vaste. Je vais essayer d'aller très vite. Après, dans un premier temps, j'avais réfléchi sur qu'est-ce qu'on met derrière le développement. Parce que c'est vrai que on fait beaucoup de copier-coller dans nos modèles de fonctionnement. C'est pourquoi souvent, les modèles ne s'apprennent pas parce que ben c'est souvent hors sol. Et que développement, c'est déployer, dérouler, faire croire quelque chose. On développe une équation mathématique ou on développe une pellicule photo que tu développes pour croire. Ça veut dire qu'il y a une réflexion de fond et qui est endogène et partir de ce qui existe par rapport à notre environnement, je pense que ça me semble fondamental de le mettre en avant. Parce que si on demande aux Sénégalais ce que ça veut dire développement, ben, c'est un mot qui n'existe même pas dans nos langues. Et puis après, dans un second temps, je voudrais mettre l'accent aussi sur que représentent les sportifs de haut niveau, les internationaux. Et c'est important de dire que le sportif, l'international, le joueur international, c'est le seul, à part le militaire qui est tombé après une bataille au niveau de l'armée, ou le président de la République qui se déplace, sont les seuls qu'on chante l'hymne national quand ils sont à l'extérieur du pays et avant une compétition. Et ça me semble fondamental de le dire, pour montrer l'importance que représente le sportif. Et le sportif aussi a ce rôle aussi de revenir dans son terroir pour aussi influencer, impacter par rapport à la jeunesse. Et aussi le sportif aussi a un acte incroyable de rencontres, d'échanges, de partage. Le sportif peut rencontrer des personnes exceptionnelles, des personnes extraordinaires. Et ça aussi, c'est on va y revenir plus dans les détails à la fin de mon exposé. Et partant de cela, j'ai mis en relief aussi quelque chose qui part du réel. Parce que j'aime bien partir de ce qui existe avant d'essayer de développer quelque chose. Le réel, ce qui existe dans notre basket chez nous, je vais évoquer trois sortes de clubs au niveau du Sénégal. Il y a ce qu'on appelle les clubs traditionnels, qui actuellement, je suis désolé de le dire, comportent à l'agonie par rapport à plein de choses qu'on n'aura pas le temps d'énumérer. Il y a aussi ce qu'on appelle les clubs d'entreprise. En fait, on le sait tous, douane, rail, en fait, c'est des clubs comme ça qui, par exemple, le Duc, c'est des clubs, il y a des clubs en plus. Il y a aussi un troisième type de club aussi qu'on appelle des clubs universitaires. En fait, on appelle des clubs universitaires, ce que je disais tout à l'heure, on appelle ça club universitaire, mais pas forcément, parce que est-ce que ces clubs universitaires-là sont réellement des clubs universitaires. À côté de cela, il y a un mélange de clubs de quartier et aussi une pluralité d'écoles de basket aussi qui existent dans nos clubs. Et ce qui existe aussi, par exemple, les clubs qui sont créés, ils sont joués directement en deuxième division. Et ça aussi, c'est quelque chose qui existe, qui est une incompréhension totale par rapport à l'évolution et à la structuration des clubs qui peut être problématique, avec aussi énormément de présidents, osons le dire, qui font le vide autour d'eux. Et dans un second temps aussi, je veux parler de l'approche que nous, qu'il y a au niveau de notre basket au Sénégal. Pour moi, il y a deux approches que nous avons au niveau de notre basket. Il y a ce que j'appellerais une approche émotionnelle basée sur victoire et la défaite. Il y a aussi une approche loisir que aussi au niveau de notre basket. Je propose. Ok, chargeur Samsung. Je propose. Ouais. Je propose qu'on d'oser changer d'approche. Un regard holistique de notre basket. Parce que le basket, c'est pas le foot. Parce que le football, il est basé sur, au niveau du Sénégal, il parlait de Jambar, de Génération Foot. Le football, il est basé sur des revenus qui s'appellent des mécanismes de solidarité et des indemnités de transfert. Et que ça aussi, le foot a pu l'avoir parce qu'ils ont su structurer à partir de la FIFA
et que pourquoi les transferts des joueurs puissent être bénéfiques au niveau des clubs formateurs. Et il y a aussi un autre aspect aussi que j'aimerais bien revenir aussi là-dessus, sur la, ce que le basket peut représenter aussi, c'est-à-dire que le basket, c'est un puissant vecteur au niveau de l'éducation, c'est un puissant vecteur économique, un puissant vecteur politique et un puissant vecteur au niveau de la diplomatie. Je le dis parce que je l'ai expérimenté, ce n'est pas des mots qui sortent de trucs, c'est des choses que j'ai personnellement expérimentées et que j'ai vu aussi un galophale expérimenter. Et quelques pistes de solutions pour, avant de faire ma conclusion. Pour les pistes de solutions, j'y vois plusieurs, mais je vais en énumérer quelques autres. Sur les pistes de solutions, je pense qu'une organisation, non pas verticale, parce que c'est ce qui existe beaucoup dans nos organisations, une organisation verticale, c'est pourquoi, quand je disais plus haut que les présidents, ils font le vide chez eux, mais je pense qu'une organisation horizontale, avec basée sur une complémentarité par rapport à des compétences, me semble quelque chose qui peut être bénéfique au niveau de notre basket. Il y a aussi un autre aspect aussi que j'aimerais dire aussi, là, c'est au niveau des infrastructures. C'est incroyable le manque d'infrastructures qu'il y a au niveau de notre pays. Il y a aussi le bal aussi que Amadou Galofal a mis en place au niveau africain. Et je pense qu'au niveau du Sénégal, on ne se rend pas compte actuellement de quel impact ça peut avoir, et c'est quelque chose qui peut être une charpente aussi bien sur le basket sénégalais que sur le basket africain, notamment par rapport à la vision, par rapport aux perspectives que ça peut avoir, mais aussi surtout aussi qu'il faut oser le dire aussi, les problématiques de finances aussi que le bal peut accompagner. Je pense aussi un autre aspect aussi, que le basket comme réponse au ODD, parce que au niveau de l'ONU, même si on n'est pas membre permanent au niveau des Nations Unies, mais on n'est pas hors monde, on fait partie du monde. C'est-à-dire les ODD, là, c'est l'objectif durable de développement. C'est-à-dire que le basket peut être une réponse par rapport à ces ODD. Il y a 17 ODD, j'aurai pas le temps de les énumérer, mais quand tu lis ces 17 ODD, il y a énormément de choses qu'on peut picorer au niveau du basket. L'autre aspect aussi, c'est se positionner aussi, pour le positionnement qu'a les fans du basket par rapport à l'écosystème. Je pense qu'il faut recentrer ça et que les fans soient au centre de cet écosystème-là, et que ça a plusieurs avantages par rapport à une stratégie sur le plan digital, sur le plan d'essayer de connaître leurs besoins. C'est pourquoi je vais y revenir aussi, c'est innover aussi l'offre commerciale aussi qu'on propose au niveau des aussi bien des clubs, des fédérations. Il faut une innovation qui est faite. Et aussi, il y a l'autre aspect aussi qui est important, on est au 21e siècle, c'est accélérer la digitalisation. Ça existe, c'est quelque chose qui existe dans nos pays. Et que tous les jeunes, partout au Sénégal, il y a des gens, ils sont des énormément sur Internet, il y a quelque chose à faire au niveau de la digitalisation, parce que ça permet aussi de recueillir des informations qui vont nous permettre aussi de pouvoir les exploiter, comme le font un peu partout dans tous les championnats relevés. Il y a aussi une autre aspect aussi que j'aimerais relever aussi, c'est la formation sur les métiers du sport. Il y a vraiment un vrai boulot à réfléchir là-dedans, parce qu'on ne peut pas venir, parce que juste j'ai rien à faire de venir, je vais m'occuper du club. Et c'est un vrai métier, il faut des professionnels pour accompagner ceux qui s'occupent du sport. Il y a aussi l'autre aspect aussi, c'est les aspects juridiques. Bon, il y a Mouché Sarro qui est mieux placé que moi, que j'ai écouté la dernière fois.
de façon vraiment brillante ici, qui explique tous ces aspects juridiques-là qui se trouvent au niveau du sport. Je pense qu'avoir quelqu'un comme lui, moi ça me dépasse, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas du tout, mais avoir quelqu'un comme lui dans l'écosystème pour avoir une réflexion plus poussée, parce que ces aspects juridiques-là, ça permet aussi d'être crédible et aussi d'avoir un écosystème propice pour pouvoir accueillir aussi de potentiels investisseurs. Il y a aussi mieux exploiter les bases de données. C'est incroyable le travail que fait l'INSEP au niveau de la réflexion, au niveau de la pensée, au niveau de la production intellectuelle, au niveau du sport sénégalais, et puis une réflexion endogène. Et puis une fois que l'étudiant a fini sa cursus, ben, il s'est rangé dans les bibliothèques, dans les tiroirs. Et je pense que bon, la production intellectuelle, c'est bien, mais aussi c'est aux acteurs du sport aussi de travailler en étroite collaboration avec l'INSEP pour que ces productions-là intellectuelles, qu'on puisse le mettre en application au niveau du terrain. Il y a aussi un autre aspect aussi avant de finir, c'est le positionnement sur le marché public. Il y a aussi quelque chose à réfléchir sur le positionnement des clubs sportifs avec le secteur public. Ben, c'est chez nous, il y a un effet induit à réfléchir. L'autre jour, j'écoutais Michel Lamotte qui parlait des choses vachement intéressantes sur ces aspects-là. Et puis pour finir aussi, c'est pas mon idée, c'est une idée de mon ami Aaron Adjara avec qui je travaille et qu'on a un vrai projet de développement du sport au niveau du Sénégal avec AROCAP, et ça c'est pas le moment d'y revenir, et on aura l'occasion de le développer un peu plus, c'est-à-dire ben, comment au niveau des clubs, tout ce que les gens y vendent, que ce soit les sandwichs, toute l'économie qui se passe autour des matchs de basket, que ce soit le basket, du sport même d'une manière générale, comment capter cette économie-là. Bon, les mamans qui vendent des guettes-chars et tout ça, ils vont m'en vouloir en disant ça. Mais je pense que c'est important de réfléchir, d'avoir cette réflexion-là économique par rapport à notre sport. Et pour conclure, je l'ai fait à dessein de ne pas parler de l'aspect sport purement, parce que je pense que pour gagner, ce n'est pas seulement le jeu, mais pour gagner, c'est toute une organisation. Et toute une organisation qu'il faut mettre en place avant de réfléchir à gagner. Gagner, c'est la conséquence de certains travaux qu'il faut faire en amont avant d'y arriver. Et pour finir aussi, c'est qui mieux que les sportifs, les sports, ceux qui ont pratiqué et qui ont cette chose-là, qui l'ont vécu en eux-mêmes, de pouvoir le mettre en application sur le terrain. Parce qu'il y a du vécu, il y a de l'expérience vivante qu'ils ont vécu, et que le transmettre, c'est juste facile, quoi. Mais sauf que aussi, ben, c'est aux sportifs aussi d'être engagé, c'est aux sportifs aussi de retourner à l'école, c'est aux sportifs aussi de se positionner, comme disait notre cher Amadou Ampateba, pour pouvoir grandir, pour pouvoir apprendre, parce que si tu sais, il disait que si tu sais que tu ne sais pas, tu sauras, mais si tu sais que tu sais, tu ne sauras pas. Et ça me semble important d'avoir une forme de modestie de nous les sportifs ou les anciens sportifs, de l'avoir, et pour se mettre dans une position d'apprendre pour pouvoir un jour diriger. Merci pour votre écoute. Voilà, merci beaucoup, El Kebir Pen. Très pertinent. Vous avez fait le contour du thème, très important. Vous avez abordé au volet économique, au volet infrastructurel, mais aussi surtout au volet organisationnel. Alors qu'aujourd'hui, si on parle du basketball, le développement du basketball, bien sûr que vous avez parlé les clubs qui composent ce championnat, mais aussi vous avez parlé un petit peu l'aspect sportif. Mais pensez-vous pas que le développement du basketball se fera par le professionnalisme et non l'amateurisme? Aujourd'hui au Sénégal, notre championnat est un petit peu pas à son niveau du point de vue de la visibilité, mais aussi du point de vue du jeu, et quelque chose qui pouvait attirer vraiment les sponsors ou bien attirer le public sénégalais. Si on dit du basketball,
il y a du beau spectacle, mais aussi il y a du bon jeu. Que pensez-vous du niveau de basket et du niveau de notre championnat aujourd'hui? Parler du niveau de championnat, c'est un peu complexe et compliqué de, pour ma part d'en parler parce que je ne suis pas au quotidien au Sénégal pour pouvoir l'évaluer de façon plus fine. Mais je regarde au travers ce que je vois sur Internet, les échanges que j'ai ça et là avec les différents coachs et les différents joueurs. Mais le sauf que, ben, il est force de constater qu'il y a, il y a une régression par rapport au niveau du basket. Et quand je parle de régression du niveau du basket, je ne parle pas que sur l'aspect technique, que sur l'aspect tactique. Mais je pense que avant, quand on regardait, Paco Mbaye était bien placé pour le savoir, quand à Thiès ou les matchs ils jouaient, ou le Gorée était prêt à jouer, ben, le terrain était rempli à rabord. Il y avait même des gens qui montaient dans les caissedras, dans les arbres, pour pouvoir regarder le match. Au niveau de Marissa, c'était incroyable comment c'était rempli à tous les matchs, jouaient pratiquement à guichet fermé à chaque rencontre. Et c'est plus le cas maintenant. Ça veut dire que quelque chose qui était à l'époque mais énorme, grand, et que ce soit au niveau du public, que ce soit au niveau des partenaires, que ce soit au niveau de l'organisation, si ça dégringole, ça veut dire que quelque part il y a un souci. Donc ça veut dire que quand je dis ça, je le dis non pas en disant que, parce que si on réfléchit le basket sénégalais par rapport à l'équipe nationale, les joueurs qui sont à la NBA, les joueurs qui jouent dans les plus grands championnats, ça fausse un peu le regard. Mais sauf qu'il faut le regarder de façon holistique, ce qui se passe au niveau sportif. Et ces joueurs-là, la plupart, ils sont passés par Cid Academy et après ils sortent et aller dans les clubs européens ou américains pour revenir avec l'équipe nationale. Maintenant, c'est quand même rare, à part l'exception du dernier fenêtre FIBA où il y a 5 locaux qui jouent avec l'équipe nationale. En 2005, j'étais le seul joueur local qui jouait avec l'équipe nationale. Ça veut dire que quelque part, il y a une réflexion à faire par rapport à la globalité de ce travail-là. Mais je suis rassuré parce que je vois que Tafaga il fait un travail incroyable aussi d'aller dans les régions pour échanger avec son équipe là une certaine vision du basket. Je vois aussi une certaine organisation aussi avec la nomination de Matanya comme général manager aussi. Il y a un travail de fond qui est en train d'être fait par rapport à tout ça. Mais je pense que ça va pas suffire parce que il y a un travail incroyable à mettre en place. Pour résumer, je dirais que globalement, si on regarde cette vision-là du basket se basant sur l'équipe nationale, on va dire que c'est un progrès. Mais si on regarde sur le plan structurel, sur le plan organisationnel, je pense qu'il y a du reculage et puis il y a des choses à réfléchir et voire même à améliorer par rapport à tout ça. Eh bien, il y aura toujours des choses à améliorer pour le développement de notre basketball sénégalais, mais vous aussi, en tant que sportif, vous avez œuvré et toujours œuvré à bien faire et à retourner ce que le basket vous a donné, notamment, je veux dire, des actes que vous posez à Thiès comme à Dakar. On peut prendre l'exemple de Gorgui Sidien, M. Saro. Voilà des Sénégalais vraiment qui pensent vraiment au développement de leur pays, surtout le basketball. Oui, je le salue de passage et le rendre hommage, le remercier aussi pour ses actions qu'il est en train de faire, d'appuyer l'e-sport sénégalais, ensuite d'appuyer même sur le plan social. Par exemple, le gouvernement
à équiper par exemple des hôpitaux. Et c'est un exemple à prendre pour les autres acteurs du monde du sport qui ont déjà les moyens de, d'accompagner le pays, le gouvernement, les jeunes sur certains domaines. C'est juste pour voir si M. Mathieu est là pour qu'on puisse avoir. Alors, oui, je suis en train de voir. Est-ce que vous m'entendez? Oui, M. Mathieu, on vous entend très bien. Exactement, par quel truchement, je n'arrivais pas à être connecté, mais mon Dieu merci, tout est bien et je vous remercie. Voilà, M. Mathieu, vous avez entendu l'exposé de Kébir Penn qui parlait du développement du basketball. Malheureusement, je n'ai pu avoir que la moitié de son exposé. Voilà. Et je tiens à le féliciter parce qu'il a eu à brosser vraiment le contour du basket sénégalais, les mots et effectivement les perspectives d'avenir, ce à quoi il faudrait tendre. Et je l'en félicite, je le remercie aussi pour ses félicitations. J'en profite aussi pour saluer notre ami Ibrahim. Par contre, je n'ai pas eu l'occasion d'entendre son exposé. Bon, ben, j'en suis vraiment désolé, mais pour des raisons de communication. Je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Oui, on vous entend très bien, M. Mathieu. Peut-être qu'une petite réglage oui, monsieur, au niveau de votre vidéo. On t'entend bien. Voilà. Oui, d'accord, ok. Donc vraiment, et je pense qu'aujourd'hui, cette passion qui nous anime tous, le sport, le basket, en l'occurrence, a besoin que nous apportons tous notre concours, notre savoir, notre expérience, notre savoir-faire, notre expérience, parce que le basket sénégalais a été une réponse jusqu'à une certaine période. Et aujourd'hui, force est de croire que effectivement, nous tenons un petit peu de la peine. Ceci étant, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on ne va pas tenter, c'est parce qu'on ne tente pas qu'elles deviennent difficiles. Je pense que nous tous, dans notre lopin d'évolution, nous devons œuvrer pour que tous ensemble, en conjuguant nos efforts, nous puissions effectivement proposer quelque chose de rien pour ne pas se rehausser aussi le niveau du basket et essayer de faire... rejaillir un petit peu ce rayonnement qui nous fait défaut depuis une trentaine d'années. Donc voilà, donc je pense que l'expertise est là, les ressources humaines sont là, il nous suffit tout simplement de mettre une volonté politique donc de tous les instances, hein, aussi bien du gouvernement que ceux qui se dédient et se consacrent justement au développement de ce sport-là. Donc tous les acteurs et aussi les acteurs reconnus, parce qu'aujourd'hui le sport a pris une autre dimension, celle de cette dimension, ce volet ethnique, qui n'est pas. Et je pense qu'en s'arrêtant, on est vraiment pour y arriver, on devrait y arriver, parce que ce qui est allé aujourd'hui peut être un scandale, peut-être un source de comment on appelle ça. On a des erreurs, on a des atouts pour ça, à tout point de vue, hein, sur le plan managérial, on a des dirigeants qui sont vraiment au top, on a des joueurs aussi, pour qu'ils soient bien suivis, effectivement, ça peut être motif de satisfaction, et puis on a aussi la science, on a des gens qui réfléchissent pour ça, et qui pensent pour ça, et pour l'avoir pratiqué pendant longtemps. Et je pense qu'on a tout le point. Il suffit tout simplement de vouloir mettre cette politique-là et de s'y atteler. Voilà. Merci beaucoup, M. Mathieu Foy. Le temps que vous réglez un petit peu les problèmes techniques de votre vidéo, on va revenir sur vous. Et en attendant, nous allons conclure avec Kébir. Là, Ibrahima, vous êtes là. Ibrahima Diagne. Oui, je suis là. Voilà, en tant que sportif, qu'est-ce que vous pensez de l'exposé de M. Kébir? Je pense qu'il a touché des points qui sont très, très importants. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'il a dit, surtout au niveau des infrastructures et du développement du digital, surtout. Surtout là, en 2021, maintenant, tout est digital. Et je pense qu'afin de recueillir un maximum d'informations,
c'est très important de développer le digital afin d'exploiter et de pouvoir rivaliser avec les pays qui sont occidentaux. Et voilà. Et je pense que pour les infrastructures aussi, ça va prendre un peu de temps. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Donc c'est un travail de longue haleine et je suis sûr qu'on a toutes les capacités pour le faire. Voilà, merci beaucoup Ibrahim Diagne. En tant que sportif, vous prenez l'exemple de El Kebir Penn. Lui, il a utilisé le basketball comme catalyseur. Il a l'habitude de le dire hein, à Thiès. Il s'est investi en réfectionnant le terrain de basketball du Rai FC. Aujourd'hui même, vous terminez ces travaux. Kebir, quels sont les mots à dire par rapport à ces travaux? Vous avez abordé aussi le problème des infrastructures, surtout au niveau des autres régions. Oui, mais sauf que le truc, c'est que l'avenir reste ouvert et possible aussi. C'est que ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on reste les bras croisés et à ne pas s'investir. À partir de Rennes, quand j'expliquais avec les membres de mon asso, ben, que cette année, je ne vais pas faire un camp de basket où on va dépenser de l'argent, un truc. Il faut aller vers la réhabilitation du terrain. Mais personne ne me croyait quand je parlais de ça au Sénégal, parce que ça faisait des années, parce qu'une quinzaine d'années qu'on voulait le faire. Mais ce que ça m'a appris, c'est l'action. Et l'action, et ce que je suis en train de dire aussi, que sur les partenariats publics-privés, mettre en place des choses, ça a créé une dynamique incroyable au niveau de Thiès. Qu'aussi bien au niveau des jeunes, j'ai mobilisé les jeunes de Thiès, les jeunes basketteurs. Le sol, c'est les jeunes qui l'ont fait. J'ai accompagné, payé des professionnels pour la partie professionnelle que les jeunes, mais tout ce qui est travail de force, c'est les jeunes qui l'ont fait. Et ça a créé une dynamique incroyable au niveau de la population. Et aussi, il n'y a pas que Kabir qui a réhabilité le terrain. Il y a des bonnes volontés privées qui donnent des anciens basketteurs. Je pense que c'était pas mal, à Fazo qui participe. J'ai créé une page Facebook pour que toutes ces actions-là qui se passent au niveau de la réhabilitation, celui qui a donné 10 000, celui qui a donné 50 000, celui qui a donné 100 000, je l'ai mis sur cette page Facebook-là pour ce besoin de transparence. Parce que je sais que l'aspect comptabilité, transparence, tout, ce n'est pas mon fort, mais j'ai mis en place ce truc-là pour permettre d'impliquer tout le monde, être transparent par rapport à ce qui s'y passe, et aussi que Voilà, Monsieur Mathieu Faye est de retour. Mais Kevin, en tout cas, merci beaucoup. On était témoins de vos actions. Monsieur Mathieu Faye. Alors, pour terminer avec Kebir, avant d'aborder notre troisième thème. Pour dire que vraiment, je tenais à témoigner les actions que Kebir pose actuellement au niveau de Thiès, mais aussi au Sénégal, à travers les hôpitaux. Il a parvenu à primer les meilleurs élèves de Thiès, mais aussi de réfectionner le stade ou bien le terrain de Rai FC. Comme il l'a dit, il a impliqué les sportifs, les jeunes, tout le monde à s'y mettre et la réussite aujourd'hui, vraiment, en tout cas, félicitations et merci beaucoup. Merci encore à Malik Bayan, votre petit frère qui est toujours à vos côtés pour vous accompagner et ainsi que votre club de cœur, hein, Union Rennes Basket Club. En tout cas, merci beaucoup. Ah, Non, bien sûr. Rennes. C'est moi qui ai la parole, je ne sais pas, parce que je ne vous sais pas, ça revient. C'est un tout petit peu difficile, mais pour comprendre ce que... Voilà, monsieur Mathieu. Monsieur Mathieu. Oui. On va revenir sur vous. Oui. Juste 15 secondes pour Kevin Penn et on revient sur vous. Voilà. Oui. C'est pour dire, quand je parlais de le sport, c'est de la diplomatie, le sport, c'est l'économie, le sport. Tout le sport, c'est un moyen puissant d'éducation et toutes ces actions-là, j'ai pu le faire en tant que sportif. C'est pourquoi c'est important pour que les sportifs puissent être impliqués. Parce que le sportif, pour toucher
toucher des personnes que peu de gens sont capables de toucher. Le sportif peut avoir une influence incroyable dans son environnement où il est. À Rennes, que ce soit à Rennes ou au Sénégal, j'ai pu créer un pont, mais très solide, mais juste parce que j'ai pu avoir des capacités, que ce soit intellectuelles et aussi de pouvoir. Il faut savoir expliquer aussi ce qui se passe chez nous, pour pouvoir le dire et aussi de pour les convaincre et pour qu'ils puissent t'accompagner par rapport à tes projets. Alors, merci beaucoup Kevin, vraiment vous avez bien abordé votre thème, peut-être qu'on aura d'autres occasions pour aborder encore un petit peu vos actions et aussi vraiment ce que vous faites actuellement au niveau de Thiès et au Sénégal, très important. Et sans plus tarder, nous allons aborder notre troisième thème, il s'agit de l'organisation des ligues de basketball avec M. Mathieu Faye qui est le directeur de l'Académie Eboa. Alors Mathieu, vous êtes là? Oui, je suis là pour ce rebond parce que quand ça passe à rebondir, j'espère que cette partie, ce sera le bon, qu'on n'aura pas de coupure. Oui, je suis là, oui. Voilà, Mathieu, qu'est-ce que vous pensez de l'organisation des clubs de ligue de basketball, étant donné que vous dirigez aujourd'hui une école de formation, une école qui fait du sport et études. En même temps, vous êtes ancien international, mais aussi vous avez été au plus haut niveau du basketball mondial. Récemment, vous êtes nommé au niveau du cercle de la FIBA. Oui, merci. Bon, pour l'organisation du ligue professionnelle, je pense qu'il va falloir faire le distinguo entre une ligue professionnelle de club et une ligue professionnelle, entre guillemets, universitaire. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est la ligue professionnelle universitaire qui nous incombe. Je pense que donc, il faut avoir une communication sur la création d'un championnat de basket à l'échelle universitaire, en fait une ligue de basket universitaire. Donc en choisissant ce thème qui porte sur la pratique du sport dans les universités, vous faites preuve de clairvoyance extraordinaire. Le choix d'un tel thème relève d'une intuition remarquable qui s'inscrit en droite ligne dans le sillage de l'adage « un esprit sain dans un corps sain ». En effet, ce n'est plus à démontrer que le sport réduit certains risques de développement de maladies, donc le diabète, les accidents vasculaires cérébrales, des crises cardiaques, etc., etc. Et en plus, il permet un tout petit peu de faire face ou de prévenir certaines pathologies, des cancers, et surtout améliore aussi le moral, hein, aide à contrôler l'excès de poids et augmente les capacités respiratoires. Donc c'est un tout petit peu faire l'apologie des bienfaits du sport, et surtout chez les universitaires. Donc je pense que c'est une action à mener, et essayer de mettre en place cette ligue-là ne peut être que bénéfique pour la pratique du sport universitaire. En somme, la pratique sportive est un facteur d'équilibre physiologique pour les étudiants, donc elle contribue à promouvoir le respect de l'éthique et les valeurs éducatives et humaniste. La pratique sportive en milieu universitaire joue un rôle déterminant dans l'accès des étudiants au sport et donne un sens au vivre ensemble et à l'apprentissage de la vie associative. Donc, entre autres, de meilleurs résultats scolaires, parce que ça a été même prouvé par le Center of Disease, the Center of Disease Central au niveau des États-Unis. Un facteur stimulant la persévérance, un esprit sain dans un corps sain, comme je le disais tantôt, le développement de comportements favorables à l'apprentissage. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si effectivement le basketball a été créé par le professeur Naismith, qui est un professeur d'éducation physique. Aussi noble ce projet de création de championnat universitaire ne peut être que salué. Donc il nous faut aujourd'hui effectivement développer le sport universitaire en parallèle effectivement du sport habituel qui est le championnat A. –
Voilà, M. Mathieu Fay, Sarro. Oui, il a... Ça s'inscrit dans le même lancer. Alors, oui, voilà. Il y a une... Il est de retour. Il y a un décrochage. Ben, voilà. Je pense que c'est là où je suis, le Wi-Fi n'est pas si performant. Je suis vraiment désolé. Voilà, continue, M. Fay. Alors, vous m'entendez? Oui, bien sûr, continuez. Oui, alors donc je disais que notre projet de création d'un championnat universitaire doit être salué. Maintenant, quels sont les modèles qu'il faut prendre? Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a un modèle américain, je pense que les uns et les autres sont au courant. C'est un modèle qui est beaucoup plus basé sur l'économie. Et ensuite, bon, il y a le modèle européen, français, c'est le seul modèle sur lequel on se rapproche le plus. Donc voilà, c'est deux modèles. Le modèle américain est construit sur une logique résolument économique et le modèle européen, voire le nôtre, qui est de mettre l'accent sur les performances sportives. Je pense qu'aujourd'hui, compte tenu du contexte dans lequel nous évoluons, compte tenu effectivement des infrastructures qui font défaut dans les universités, il serait difficile de dire qu'on va faire une ligue en tant que telle, parce qu'il y a le problème économique, le problème financier qui va se poser. Les universités ne bénéficient pas d'infrastructures qui puissent leur permettre effectivement d'organiser toute une économie au travers effectivement de cette activité-là. Vous savez qu'aux États-Unis, par comparaison, ils ont des salles pour générer des fonds. Ils ont toute une entreprise derrière, ils ont la télévision, ils ont un système de sponsoring. Bon, ici, je pense que les infrastructures font défaut et que c'est à travers, effectivement, les installations de la fédération qu'on pourra développer. Bon, c'est vrai qu'il y a des salles dans des terrains de basket dans les universités, mais une fois de plus encore, le sport universitaire, le basket est un sport de salle. Et essayer de trouver des salles pour pouvoir répondre effectivement à cette demande serait quelque chose de magnifique. Bon, Kabir Penn a eu à le soulever par rapport aux infrastructures et c'est la résultante de ce manque d'infrastructures. Mais ceci étant, je pense qu'il va falloir effectivement s'organiser de connivence avec le ministère de l'Éducation et le ministère des Sports pour mettre en place effectivement la Ligue de basketball universitaire. Bon, les universités sont un tout petit peu en avance parce qu'ils ont la plateforme qui puisse leur permettre de mieux s'organiser, de mieux développer le basket, en tout cas cette discipline qui nous concerne. Il s'agit maintenant tout simplement de voir dans quelle mesure ça peut être bénéfique à une ligue, parce qu'une ligue aussi ne peut pas fonctionner à perte, il faut qu'elle essaie de générer des devises, des rentrées d'argent. D'où la nécessité, effectivement, de trouver des sponsors, de trouver des mécènes qui peuvent nous accompagner et de trouver aussi de bonne volonté pour pouvoir mettre en place toute cette structure-là. C'est un processus assez long, mais qui est tout à fait faisable. Et je salue un petit peu l'initiative de Dembo, l'initiative de Nimansou, qui veut remettre au goût du jour la pratique sportive au niveau universitaire et dans les collèges d'école. C'est parce que c'est la base de tout. Nous, à notre époque, en comparaison, on n'est pas raison, mais à l'époque, effectivement, et on a eu des résultats, c'est parce qu'on a suivi le cursus universitaire, le cursus scolaire, qui nous a permis après de penser vers la pratique du sport dans les clubs. Les universités américaines en sont là la preuve, parce que c'est une formation au-delà de former des futurs dirigeants du pays. On essaie de cultiver aussi un petit peu le volet athlétique. Si par mégarde ils sont assez forts, ça leur permet d'atterrir au niveau de la NBA. Et on sait qu'arriver aujourd'hui en NBA, c'est une manne financière économique qui peut répondre à pas mal de besoins, ici, notamment ici dans notre pays comme le Sénégal. Alors je dis tout simplement, c'est une réorganisation, il faut mettre en place des infrastructures. Et moi, depuis que je suis arrivé, je peux faire une discrétion parce que je suis le président, j'ai repris le stade de Mbourou et ma première priorité c'est de dire au maire de Mbourou, c'est de dire aux autorités de Mbourou qu'il nous faut une salle, il faut des infrastructures, il faut une salle, 1000 places, 500 places, peu importe, mais il nous faut une salle.
D'autant plus qu'il y a les Jeux Olympiques de 2026 qui se profilent à l'horizon. Donc ce serait bien d'avoir ces infrastructures. Donc les universités, je pense à l'Université de Saint-Louis, ils sont en train de mettre en place une salle. Bon, toutes les autres universités qui intégreront cette licence, il faudra les pousser effectivement à avoir des infrastructures dans ce sens-là. Ça permettra de pouvoir asseoir la digue et de pouvoir développer par la suite. Donc il y a le financement des activités. Donc, il va falloir trouver les moyens de financer ces activités. Bon, en sachant qu'ici, bon, certaines universités sont semi-professionnelles, puisque la manne financière qu'ils peuvent dégager de la scolarité, peut-être qu'on peut louer une partie à la pratique du sport, au développement de l'équipe de basket, parce que ça reflète l'université, ça représente l'université. Et ça permet aussi de notre ligue professionnelle. Donc, et ensuite, bon, il y a un autre problème qui se pose là, parce que ça aussi, il ne faudrait pas toujours se dire qu'on va faire la ligue. Mais en sachant qu'il y a deux ou trois universités qui sont déjà inscrites au niveau de la ligue fédérale, donc il y a la question de la double affiliation, donc fédération et puis ligue, et harmoniser aussi les calendriers. Donc ça aussi, il va falloir avoir une réflexion par rapport à ça, aller voir les universités, leur faire savoir dans quelle mesure ils sont en mesure de suivre les deux, de la compétition universitaire, nationale, qui doit normalement déboucher sur une compétition internationale, parce qu'il y a toujours des universitaires mondiaux. Donc il faut tendre aussi vers ça, essayer d'aller piquer le haut niveau. Et je pense que le programme est assez vaste et assez intéressant. Et voilà un petit peu les raisons qui doivent pousser les uns et les autres à magnifier et puis à solidifier les ardeurs de vouloir mettre en place une ligue professionnelle universitaire. Donc, bon, maintenant, pour aller dans le cours, c'est parce qu'on est pris par le temps, parce qu'après, il y a des termes techniques, des termes spécifiques qu'il va falloir mettre en place au niveau de la Ligue. Bon, ça, c'est un travail un peu qui se fera par la suite. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Mathieu Faye. Là, c'est très clair. Il nous faut une très bonne organisation. Et à partir de là, UPSchool Basketball est en train de faire ce travail tout en impliquant les écoles et les instituts supérieurs en organisant un tournoi, Monsieur Saho. Oui, en organisant un tournoi. Mais ce qui vient de développer est très intéressant parce qu'il faut aussi que les autorités publiques suivent ce que nous faisons. C'est-à-dire qu'il faut qu'elles nous accompagnent, parce qu'il y a les collectivités locales aussi, les collectivités territoriales aussi, qui peuvent insérer, par exemple, la création des infrastructures au niveau de chaque territoire, au niveau de chaque localité, des salles de basketball, pour que, par exemple, un établissement, par exemple, scolaire qui est dans une telle localité puisse pouvoir non seulement s'entraîner dans cette salle, mais recevoir dans cette salle. Par exemple, des salles de 1000 places, par exemple, dans chaque collectivité territoriale, ça pousse à comment dirais-je, à l'organisation, par exemple, de pouvoir bien gérer cette ligue-là. Très bien. Et comme il vient de dire aussi, parce que nous, ce que nous voulons, c'est que, hormis l'éducation physique comme matière, par exemple, dans le programme scolaire. Mais il y avait l'UASU quand même, l'UASU. Oui. Oui, mais c'est ce que nous voulons, c'est un peu différent de ce que fait l'UASU. Bon, l'UASU, c'est vrai, ils ont commencé un concept et une organisation et une promotion très intéressante, mais depuis quelque temps, on ne les sent pas. Mmh. Je ne sais pas ce qui s'est arrivé, mais bon. Mais comme nous, par exemple, avec le basket, par exemple, on peut développer, on peut faire la promotion, par exemple, du basket et du sport en parallèle. Très bien. C'est-à-dire, hormis, par exemple, l'éducation physique, on peut, par exemple, prendre, par exemple, une discipline comme matière. Mm-hmm. Comme matière. Même s'il le faut l'enseigner une fois par semaine, pour une heure de temps, c'est bon, parce qu'il y a des écoles qui le font déjà. Par exemple, les Maristes ou à Saint-Michel, le basket, c'est une matière, hormis l'éducation physique.
Par exemple, chaque discipline, pour déjà, il parle de l'organisation des Jeux Olympiques en 2026. C'est maintenant qu'il faut le préparer. Dans, établir un programme avec les établissements où, par exemple, hormis l'éducation physique, que chaque élève puisse choisir, par exemple, une discipline, soit le football, le basket, l'handball, le handball, le volleyball, en faire une matière, qu'on l'enseigne. C'est dès maintenant qu'il faut préparer les élèves ou les enfants à développer leur talent au niveau de l'école. Très bien. C'est ce que je pense, moi. Merci beaucoup, M. Sakho. En tout cas, on est au terme de notre émission. Merci beaucoup à Ibrahima Diagne. Ibrahima, merci beaucoup. El Kebir Pen, merci beaucoup. Merci beaucoup à M. Mathieu Fay. Vraiment, le débat a été bien campé aujourd'hui. On a parlé du basketball, mais aussi le sport, les études, le développement du basketball, un facteur de développement économique, le rôle même des sportifs d'impliquer dans le développement du sport dans leurs pays respectifs. Alors, M. Sakho. Bon, sinon, remercier tous les participants, les acteurs. Monsieur Mathieu Fay, je suis très, très content et très satisfait de votre intervention. Il y a Kabir aussi, El Kabir, où je vous remercie. Il y a Ibrahima Diagne aussi. Et nous sommes disponibles aussi, si vous avez besoin de nous, sur d'autres programmes. Bon, nous envisageons de organiser un forum pour essayer de mettre le débat sur place, comme ça inviter par exemple des experts dans tous les domaines du sport comme scientifiques pour essayer de développer tout ça là. Merci beaucoup. Alors Ibrahima Diagne, voilà, merci beaucoup, un plaisir d'avoir votre exposé, merci encore. Merci beaucoup Kebir Pen. Et merci beaucoup à M. Mathieu Fay. Alors, chers téléspectateurs, c'était tout pour aujourd'hui dans votre plateau spécial débrief. Nous avons abordé du basketball, bien sûr, avec l'étude et le sport. Et nous vous donnons rendez-vous prochainement. Merci beaucoup.